La parole est accordée à présent au député Audney. Monsieur le Président, membre du Royo, très chers collègues de l'Assemblée. Moi, je pense que le Président a fonctionné avec un pile discriminatoire. Pendant que je félicite la commission qui a mené l'enquête à Kenya, même quoi moi-même écrit Bureau pour mener l'enquête dans le département Nord, spécialement au Cap et Plaisance, côté de dire. Et je ne pense pas, j'aimerais nous statuer sous lui, alors que Bossé n'a pas écrit avant. Mais, déjà, je écrit pour me dire qu'il y a un commissaire gouvernement au Cap qui lui-même s'est soumis à la vente de la justice. Moi-même, personnellement, je suis victime de lui. Je suis des bandits qui sont en zone. Prends zam nan men de sécurité m'gen pendant que nous faisons pas Donald, pendant que nous dormi de l'autre côté. Non, ça dépend de qui côté. Non, ça dépend. Et collègue député, zone, s'il vous plaît, non. Collègue Odné a la parole. Et c'est une zone que nationalement vous reconnaissez comme des zones non droits. Malgré consulter un cabinet d'avocats, nous faisons tout ça la loi mandé pour nous faire. Et ils ont arrêté, monsieur. Un substitut commissaire qui traite la question, le commissaire gouvernement Alena Apena, là, il prend monsieur libéré parce que c'est bandit qui est associé avec lui. Je fais tout le bagaille et m'écrit, on va dire. Collègue, on m'a dit, nous sommes nous camper là. À n'importe quel moment, nous attendons au fusil dans la cour. Là. Oui, et bien, je vais tout. Je dis deux personnes qui sont là comme employés. Oui, c'est gros parole. C'est parce que je garde la discipline, l'institution qui va être toujours le temps, qui me demande qui ça a bu, qui a décidé de m'écrire sur tout le cas. Collègue, un instant. Nous pouvons toujours poser ce problème à la conférence des présidents et le bureau va et. S'informer auprès de son secrétariat pour trouver votre correspondance. Merci. Si vous avez. Je n'ai pas fini encore. Merci. Mais il y a des considérations. Je viens de penser que nous-mêmes, je dis à mes collègues, nous avons pile l'effort qu'a fait pour nous prendre conscience de et côté nous mettons pays. Oui, c'est côté nous mettons pays. Pour qui ça? Je dis à nous sacrifier mandat nous pour nous satisfaire un gouvernement. Ils acceptent pour nous comprendre. Gouvernement n'a pas de problème. Non, le Premier ministre n'a pas l'autre jour dans le Sénat, il dit qu'il y a une sécurité. Alors que les collègues qui sont dans la zone Carrefour là, je suis certain que si vous voulez aller là, vous voyez toute prudence. Et que nous-mêmes, nous ne sommes pas là pour nous quitter le pays, pour gringoler comme ça, et puis nous, pour nous satisfaire parce que nous avons le Premier ministre qui lui-même a fait show-off avec la population. Moi, je pense que, comme moi, au niveau de conscience qui commence à prendre, ben, moi-même, ma petite majorité, puisque c'est lui qui a une clé, pour au moins libérer le pays, parce que je dis, nous pas qu'à quitter la population ça encore dans la situation là. Moi-même, le mal à caille, nous avons censé presque dans ma haute, si je ne suis pas très populaire, que nous connaissons, je ne vais pas vendre votre roi pour aucune raison là. Mais c'est parce que nous avons misé. Mais là, où la caille, où nous avons dans le parent qui vient de Chita, qui a dit, il n'y a pas qu'à payer l'école. Où nous avons dans le parent qui dit, il y a des gens qui viennent demander au Cobouya au Chili. Nous-mêmes, son pays, nous avons tout construit le pays. Mais ça qui est important, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes responsables. Ils ont responsabilité que la population a. Ils ont même pris responsabilité pour servir le pays, mais pas pour servir un petit groupe de monde. Je dis à collègues parlementaires, collègues députés, collègues bureaux, toute décision que nous prenons pour que la semaine prochaine, nous souhaitons que. Nous ne pouvons pas venir plaindre là parce que nous ne pouvons pas nous plaindre nous-mêmes, nous devons prendre des décisions. Nous ne pouvons pas demander au président de faire un remaniement dans le gouvernement. Si c'est un remaniement nécessaire, nous devons faire ce que nous devons faire. Parce que nous devons interpeller les ministres pour nous taper.
météo à pied et puis définitivement pour président prend conscience pour lui-même pour discuter pour comment pour faire gouvernement marcher. Moi me sentim très gêné même dans la rue et parmi nous tous l'aime tendre se plaindre collègue député vient à plaindre pour des responsabilités yo gagne et que c'est au deux prendre. Président, merci, me souhaiter que semaine prochaine ensemble de collègues qui veulent nous font chaîne pour nous